Alvitra Tidarmarke. Dans cette vidéo, nous vous montrons la réalisation de la fixation mécanique dans la zone de soudure. Pour la fixation mécanique des membranes, diverses fixations adaptées à chaque projet conviennent. On distingue essentiellement des plaquettes de répartition ronde ou oblongue. Il y a lieu de se conformer aux prescriptions du fabricant de fixation et de ne mettre en œuvre que des systèmes de fixation autorisant la circulation des piétons. Pour les plaquettes de répartition oblongue d'une largeur de 40 mm, respectez une largeur de recouvrement de 11 cm, marquée par une ligne de repérage continue sur la membrane déjà posée. Pour les rondelles de répartition de 50 mm de diamètre, on suivra le tracé de repérage à 12 cm. La mise en œuvre des fixations peut s'effectuer manuellement ou avec une machine offrant une position ergonomique. Utilisez alors une machine avec une butée de profondeur ou un embrayage dépendant du couple. L'entraxe de fixation est déterminé par le plan de fixation spécifique au projet. Placez celle-ci, dans tous les cas, à au moins 1 cm de la lisière de la membrane. Ne pas enfoncer les fixations trop profondément pour éviter que les rondelles ne tournent à vide après un certain temps et pour qu'elles maintiennent la membrane d'étanchéité sans plis.